salut à tous et à toutes, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 12 de notre incroyable aventure sur Dead Rising. Et on devait se rendre à, au tunnel de maintenance, voilà. Et j'avais fait, c'est pour ça que la vidéo a été un petit peu plus courte précédente, parce que j'avais commencé mon aventure pour me rendre dans ces tunnels de maintenance, mais je me suis rendu compte qu'on n'a toujours pas les clés du tunnel de maintenance. Et c'est littéralement très compliqué de les avoir. Donc j'ai dû tricher. Voilà. Enfin tricher, oui et non. En fait je suis allé voir sur internet, non pas comment on rentre dans le tunnel de maintenance, mais comment on a les clés. Voilà, donc je le sais. On va s'y diriger, ça va nous débloquer beaucoup de choses dans le jeu. Donc je pense que c'est quasi... indispensable, voilà, indispensable d'utiliser ceci. Et par la même occasion, désolé, ça a j'ai coupé. Découvert, regardez, si grâce à la carte, il y a écrit objet repéré. Voilà, et pendant ma petite tentative, mais vu que j'avais pas les clés, bah, ça me cassait les couilles, je me trouvais face à des portes littéralement fermées. Grâce à ma petite tentative, bah, j'étais allé voir ce que c'était, et l'objet repéré, c'est le fameux katana dont vous m'avez parlé depuis X vidéos, donc ça fait plaisir. Oh la vache, j'ai faim. On va aller le récupérer. Hop, au moins ça. Hey, c'est fait. Sacré katana, si je peux me permettre. Salut les gars, ça va ou quoi? Allez, on est parti direction le tunnel de maintenance. Et en plus de cela, vous l'aurez compris. Oh merde alors. Oh, dégage toi. Malade, malade ou quoi? On va récupérer les clés et on va essayer de diffuser les 5 bombes, évidemment. Alors, l'accès au tunnel de maintenance est là. On le voit grâce à la flèche. Donc ça, je l'avais vu lors de ma tentative. Oh. Ça, par contre... Alors, dans ma tentative, j'étais passé par là. Mais en fait, là, il y a une flèche aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah, écoutez, on va le faire. On va le faire de ce pas. On va diffuser les 5 bombes et puis on va voir ce qu'il en est. Donc la tentative a été très rapide, hein, ça a duré 4 minutes. Mais en fait, j'avais essayé, je vais vous le dire, oui je me justifie beaucoup, enfin c'est pour éviter que les gens ils disent « Non mais là, B-Boy, non ». J'avais fait cette porte-là, bah j'ai pas les clés de maintenance, impossible. Et cette porte-là, je me suis dit « Peut-être celle-là, elle est verrouillée ». Et bah souvenez-vous, on avait déjà vu dans un épisode que non. Donc je me suis bien fait bzaï. Et face à ça, j'étais en mode « Il me faut ces clés de maintenance, j'en ai marre ». Dites non aux non-clés de maintenance. Donc, on va aller la récupérer. Je sais comment y rentrer dans ce tunnel. Maintenant, le plus important, c'est est-ce que je vais pouvoir récupérer cette clé de maintenance? Comment faire? Attends, quoi? Et ben, voilà, mais ça, c'était évident. Ah non, c'est derrière. Ok. Dis-moi pas qu'il faut aussi la clé de maintenance. Non, il y a un parking. Ok, on passe par un parking. Superbe. Super, alors ça par contre c'est nouveau, ça je le découvre. C'est vrai que j'ai même pas vu la première flèche. Ok. Bonsoir, excusez-moi. Il ne fait que passer. Pour l'instant vous n'êtes pas les plus grands méchants que vous pensez être. Ok, hop, excusez-moi. Quoi d'autre? Oh, déjà j'ai vu qu'on avait une moto. Ok, bonsoir toujours. Oh, 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 oh. Une Cadillac là, on en est là? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok, direction le tunnel de maintenance. Et si possible, en Cadillac. Alors, c'est ici, hein, si jamais c'est ici qu'il y a la clé. Ok. C'est pas là? Si c'est là. Au moins c'est fait les gars, parce que j'en ai marre. Cette fichue clé là. J'en ai marre de marre. Elle est là. Ouh. Bon là déjà on sera un peu tranquille. Ensuite, en vrai... Ça a l'air de valoir le coup. Mais non, mais des masses, on en a déjà vu plein, je crois. Ok, ça c'est fait. Alors ça, je l'avais pas découvert, donc on l'a enfin. On va commencer par quoi? Droite et gauche. Allez, let's go. Excusez-moi. Pardon. Oh,
Voilà. Un petit peu de place, s'il vous plaît. Voilà, conduite, les amis. On est retourné sur un jeu de 1962. Allez, on va la diffuser. Excusez-moi, il y a une bombe ici. Parfait. Ça, c'est fait. Encore 4. Wouhou. Ok. Oh. Allez. Et vous savez que, d'ailleurs, lors d'une mission avec Brad, au tout début du jeu... Pardon. Oh, le bâtard. Droite et droite encore. Ok. Oh waouh, j'ai l'impression, il y a la voiture derrière. Ok. Oh putain, mais en fait la voiture s'abîme. Je me suis chié dessus. Salut Carlito, excuse-moi. Ok. Ensuite. Oh non. Oh mais la maniabilité, on est sur Micro Machine, frérot, PS1. Ok, ok, tout droit, tranquille. Distance de lancer, ça tombe bien, on lance jamais rien. Parfait. Ah mais là t'es comme un con là mon gaillard hein. T'es comme un con. J'ai quoi? Mais quoi? Ok! Le last. Oh waouh! Putain, mais y'a un rond-point dans un tunnel de maintenance! Comment c'est possible? Ok. Excusez-moi! Désolé, je ne fais que passer. Hop! Petite esquive, ça fait plaisir, on adore. Parfait. Ok. Excusez-moi. Wouhou. Alors, est-ce que c'était prévu que j'y aille en véhicule? Je ne sais pas par contre ceci. Putain, je sais pas combien de zombies je tue, mais là le compteur augmente drastiquement. Non mais imaginez qu'à l'époque ça c'était quand même une révolution hein, l'affichage d'autant de les gars. Hein. Faut vraiment s'en rendre compte. Hein. Ok. T'as récupéré toutes les bombes? Ouais. Mets-les dehors, la brigade ne sera pas en place. Pas de temps à perdre. Ok, comment on se barre? Eh ben, oh waouh, droite, gauche, gauche, gauche. On va essayer de sans relooker la carte. Droite, gauche. Oh non, mais c'est trop tard, je suis obligé. Oh bah ouais, j'ai pris le mauvais. Comment j'ai pu prendre le mauvais chemin si rapidement? Wouh! Oh, j'ai glissé. J'ai ride on the cock. Ok. Alors, ça c'est superbe. Oh non, elle commence à fumer, les gars. Ça va, on a eu le temps de faire ce qu'il fallait. Ensuite, ok. C'est bon! Je
On s'est débarrassé de tes bombes. T'entends? La partie est terminée. Abandonne! Rends-toi! De terroriste est fini, Carlito. C'est terminé pour toi. Ouais, les bombes, c'est plus un problème. Et Brad poursuit Carlito. Reçu. Vous pouvez nous rejoindre. Ok. Ok. Wouhou ! 7.2, c'est fait ! Prochain dossier à 17h. À la recherche de Carlito. Ok, on a un homme malade et une femme désespérée. Et je peux enfin emprunter toutes les issues de secours. Donc ça, par contre, ça fait extrêmement... plaisir, évidemment, je pense que vous le comprendrez. Est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard on n'irait pas faire un tour à l'armurerie? C'est enfin notre occasion, avant de me faire engueuler plus. Je pense que oui, parce que l'armurerie est littéralement... Putain, mais les arénelles, ça me fout. Ok, elle est où cette armurerie? Elle est à droite. Elle est là-bas. Wouhou! C'est moi? Quoi? Non mais c'est possible de faire ce que je viens de faire là? Ok. Bon, évidemment, on n'aura pas la moto au même endroit tout à l'heure. Excusez-moi, je me permets d'esquiver un peu la totalité de la planète. Allez, on va s'équiper. Armurerie, où es-tu? Tout droit, puis droite. Let's go. On a enfin accès à l'armurerie. Ah mais oui, mais c'était... Wouh, c'était le frérot qui avait le coup. Attends, hop, pardon. Pardon. Ok, c'était le frérot qui avait le tank, c'est ça. Droite et la droite, direct. Voilà, chacal. T'inquiète, je commence à connaître. Pas du tout. Midoriya, le centre commercial est quand même... bien fourni. Vraiment, remettez-vous dans le contexte de l'époque et surtout le fait que... Les gars, c'est un jeu qui date en fait. Qui date énormément même. Brett, en voilà un autre. Ok, bonsoir. Foutez-le. Mais non. Ah
On a arrêté. Mais vous êtes tous fous. Arrêtez. Ta mère même. C'est bon? Non, c'est pas bon. J'aurais pas dû. Arrêtez! Je peux pas me permettre de... Oh non, si. Ok, je sais ce que je vais faire, c'est... Il est temps d'utiliser le katana. Chuis-moi. C'est qui chuis-moi? Ah, tu vas pas tirer sur ton pote, toi, derrière. Allez. Ça veut me tester? Ça veut me tester? Ça veut me tester? Ah, je suis énervé! Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous va? Allez, une petite photo pour pas oublier, hein? Ok. Malade ou quoi, vous? Ah. Allez, ça, je prends. Ça, je prends. Précision. Je prends. Ensuite... Ça, il est où? Attends, déjà, ça, je prends. Hop. Ça, c'est pour... c'est normal, c'est normal. Ça, je prends. Ben voilà. On entend moins vos grandes gueules. Bande de cons. Ben voilà. Ah, oh, c'est la première fois que... Putain, incroyable, le katana. Il est totalement dingue, le katana. Bah là, j'ai même des armes un peu trop cheatées, j'ai l'impression. Ok. Bah écoutez, je... Oh. C'est avant tout ça, le plaisir. Le petit Parfait. Plaisir un peu coquin. On est bon? Plus d'autres photos à prendre? Si, encore une autre photo à prendre, évidemment. Allez. On a visé le 100%, d'accord, donc 100%, c'est donc 5000 points, ok. Eh ben écoutez, on est plutôt pas trop mal, ça c'est fait, bonsoir, bonsoir, hop, esquive, double esquive, triple esquive, axel, double vriller, hop, excusez-moi du peu, bonsoir, bonsoir, salut mon pote, hop, on esquive aussi ici, allez, aïe, il m'a mis un petit coup de griffouille, hop, bon. On va essayer de centrer un petit peu tous les problèmes. Là, on a numéro 1 et numéro 2. J'espère que c'est noté pour vous. Numéro 1, en vrai, on peut y aller en speed. Combien j'ai de... 1, 2, 3, j'en ai 3. C'est peut-être même un peu trop maintenant. J'avoue que je me sens un peu trop puissant là, avec les armes que j'ai. Donc, on va faire un homme malade. Peut-être qu'on va devoir le savater. On passera à l'armurerie si besoin de quelque chose. Ouais, j'ai dû massacrer 3 civils. C'est bon, les gars. Eh, faut arrêter de me casser les couilles. On est le 3e jour, frérot. Ils étaient en bleu, fallait les convaincre de quelque chose, que j'étais pas un zombie, je sais pas comment. Mais vas-y, baise à domicile les gars, j'arrive, je les foudrons, on n'en parle plus. Allez, on y va en speed d'ailleurs. Ah, quel bonheur les gars, on est surarmés, j'ai le katana. Ah, vous devez être contents de cet épisode. Et même de l'épisode précédent d'ailleurs. En plus, ça nous laisse un petit peu de temps. Salle de sécurité à 17h. Je crois que le frérot Brad, malheureusement, est décédé. Ok. On est toujours sur la bonne voie. Je crois que Brad, c'est finito. Hein. On est chaud. Ok. Et maintenant, c'est à droite. Ah, on a plus le poil le temps de traverser le parc à chaque fois. Hein. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Un homme malade juste ici. À droite, direct. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Dis-moi. C'est trop dangereux de rester ici.
Hé ! Vous m'avez fait peur ! Me faites pas des trucs comme ça ! Ah, vous avez pas... Vous êtes blessé ? Où ça ? Vous... je suis désolé. Il vaudrait mieux qu'on s'occupe de vous. Six... Allez, viens. Viens. Bon, lui, je peux pas le tenir par la main. Oh, il a l'air de courir, quand même. Il a l'air de courir, le gaillard. On est bon ? Allez, let's go ! Bah écoutez, on ramène un pote à la maison, comme on dit. Et on en profitera pour aller chercher une femme désespérée. Évidemment. Évidemment, évidemment. Oh là 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 là, pas mal, hein. On s'en sort pas trop mal. Je suis assez fier de mon aventure. Faut savoir que quand j'ai fait le jeu, je devais avoir 15 ans. 14-15 ans. Je dirais 15 ans. Allez, 15-16 ans max, vraiment. Et je m'en étais pas aussi bien sorti, pour le coup, sans vous mentir. Ah, mais attends, mais viens. Viens, j'avais oublié, Coco. Viens voir. Eh oui, j'ai la clé de sécu. J'ai la clé de sécu. Rassurez-moi, il est là. J'ai la clé de sécu et la clé de sécu, il faut la prendre. Oh, attendez. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Parfait. 4500, je prends quand même. C'est mieux que rien. Teddy Riner. Dans ta mère. Allez, viens. Viens, chacal. Non, mais c'est abusé, ça. C'est abusé, les gars, qu'on ait la clé de maintenance. Oh, sache ça. Oh, si je l'avais pris dès le début. Si je l'avais pris dès le début. Non. Vas-y, viens, Coco. Je sais pas où ça mène. Ah. Merde, alors. Reviens, Coco. On découvre, hein. Maintenant, c'est uniquement pour aller en bas? Mais non, mais je... Ah, mais non, c'est un rat... D'accord, ah ouais, non, mais je croyais... Ah ouais, non, j'ai trop abusé. En fait, je croyais que... Ouais, non, c'est moi, je suis un trou de balle. Je croyais que c'était une sorte de raccourci, mais pas du tout. Viens, Magaté, viens. Ah là là, bon, bah, la femme désespérée, elle va mourir désespérément, hein, je pense, hein. En fait, je croyais que c'était une sorte de TP, mais en fait, il n'y a pas de TP dans Dead Rising. C'est pour ça que c'était très bien construit et qu'il y avait toujours une pression. Ça emmène au tunnel. Et le tunnel, quand t'es au bout de la map, est censé être un raccourci. Oui, mais faut sortir, frère, du tunnel. Hé, envie. Et vous avez vu comment il est blindé, le tunnel. C'est ça, en fait, le problème. Ok. Donc, autant passer par là, c'est aussi très très bien. Ouais, en soi, l'un n'empêche pas l'autre. Allez, viens par ici, mon petit coquelicot. Normalement, le Roy, il va bien se porter, j'ai le livre. Il a pas peur de la mort, il va juste tracer tout droit, regardez. Ça, ce livre est magique. En fait, j'ai compris, ils peuvent mourir, mais ils ont pas peur de la mort dans le sens où quand il y a un zombie, ils sont pas en mode « Oh non, j'ai peur, je bouge pas parce que j'ai peur. » Non, ils sont en mode « Vas-y, nique, on avance, tu vois. » Donc ça, ça sauve littéralement tout le jeu. Incroyable, cette pub. Elle est dingue. Attends, y'a pas un pépé là-dessus, là ? Putain, même pas. Même pas. Et là ? C'est vrai qu'on lève pas assez la tête dans le jeu. Il est là ou pas, le frérot ? Qu'il est long. Et en fait, il trace quoi qu'il arrive. Qu'il y ait des zombies ou pas. J'aime bien ma nouvelle coupe, ceci dit. Vous en pensez quoi ? Suzanne Walsh, désolé, j'ai jamais entendu parler de toi. Si vous aviez la clé du tunnel de maintenance, vous pourriez passer par le sous-sol. Oui, 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 Magaté, je l'ai. Je l'ai, mais t'en fais pas que là, c'est la même distance, quasi. Quoique, on n'aurait pas eu le... Il est là ? Il est là ? Je crois qu'il est là. Bon, le seul truc qui me fait chier dans le jeu, je vous jure que c'est... Le seul truc qui me fait chier, c'est l'ascenseur. Dites-moi qu'il y a encore un katana, là. Il y a encore le katana, vous pensez? Il y a encore le katana. J'aime ce jeu. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai déverrouillé le katana, en vrai ou pas? Parce que comment ça se fait qu'il n'était pas indiqué comme objet repéré avant? Est-ce que quelqu'un a une petite idée?
Oh non, c'est pas vrai. Attends, rends moi, frérot. Waouh. Vas-y, c'est pas grave. Parce que ça, ça tabasse tous les psychopathes, hein, je pense. Il est où le frérot là? Oh. Il est là le frérot, il est où? Allez! Viens le Roy! Viens, viens! Ah ouais, mais il se faisait charcuter là, une queue. Allez, viens mon le Roy! On y va, ma petite gâtée! T'as sali toutes tes fringues, putain, le Roy. Allez! On s'en sort bien! J'aurais dû lui donner le katana, tiens. Viens par ici. Oui, bah toujours plus. Allez. Bon, la lave se mousse vite, mais bon. Eh, ça coupe en deux, on va pas se plaindre. Par là! Mets-toi là. Et je suis une boucherie charcute là-dedans. C'est pas vrai. On est bon. Allez, allez, viens mon gars. Oh. Là on est bon. Cet ascenseur est maudit, hein. Vraiment, ne le prenez jamais. Quand vous irez dans un centre commercial aux États-Unis, évitez tout ascenseur, d'accord? Qui ressemble à celui-ci. C'est infernal en cas d'invasion. Oh putain, attends, parce qu'une femme désespérée, elle est littéralement à côté. Oh, merde alors. Bien, on va faire le petit aller-retour. Je jure qu'on va tenter. On va tenter, les amis, quitte à ce que la vidéo dure un peu plus longtemps. Je me sens pas bien. Ça dérange quelqu'un si je m'allonge. Eh non, allonge-toi, ma gâtée. Allez, on y retourne cash. Je pense qu'il y a moyen. J'avoue que le katana s'abîme très vite. Très vite. Allez, une femme désespérée. J'espère que je vais pas avoir... Oh putain. J'espère que j'ai pas besoin d'avoir à la... À la détruire. J'avoue que ça me manque un peu le livre qui me permettait... de faire les petits 10 pp en arrachant des gueules. Ah, elle est où? Droite et gauche. Une femme désespérée. Elle est là? Non? Oh putain, elle est en face. Elle est où? Attendez, c'est moi qui suis fou ou c'est le monde de qui est fou? Une survivante a été vue à Paradise Plaza. Ouais? Et? Je disais, elle était peut-être là, je sais pas. Je ne comprends pas. C'est un bug? Oh non, j'aime pas. Non. J'aime pas parce qu'on voit pas la tête du héros. Ok. Bah écoutez. Là, je ne l'ai pas. Ah putain, la conne! Est-ce que ça va? Vous venez m'aider? Oui, un hélicoptère va venir nous sauver. Je vais vous y emmener. Nous sauver? Sérieux? Désolée, j'ai été mordue. Vous avez été mordue et... Vraiment? Elle s'appelle Isabella. Un paquet de choses. Eh oh! Ouais. Donc c'est une sorte de maladie. Écoutez, tout ce que je sais, elle a peut-être un mois. Faites-moi confiance. Vous lui faites vraiment confiance. Alors je vais faire de même. Allez, viens. Hop, ça c'est beau. 95 pp, c'est ridicule. Coup de pied mural, allez viens. Avec moi! Coup de pied mural, c'est quoi? Appuyez sur carré tout en inclinant vers celui-ci. Mais c'est quoi ce délire? C'est trop bien, c'est trop drôle. Allez viens par ici, toi.
Allez, allez, on y va. Allez, Michette. Elle s'en sort. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, on a fini cet épisode. Je vous avais promis que je sauverais cette jante dame. Eh ben, c'est chose faite. Et on ira chercher le katana, évidemment, quand on passera par là, on s'en fout. C'est au passage, maintenant, on le sait bien. Ok. Fais attention, broyez la gueule. Ok. Go! Mets-toi là, que je te découpe pas comme j'en ai découpé. Cet ascenseur a du son sur les pieds. Allez. On est bon. Allez! Et d'ailleurs, je vais prendre ça comme ça au prochain ascenseur. On est tranquille! Excusez-moi d'être extrêmement intelligent. Allez, viens par ici. Viens par ici. C'est bon? Voilà. Oh là! Simone! Allez. Ce qui marque la fin, d'ailleurs, de notre épisode, évidemment. Je devrais peut-être voir cette Isabella. N'oubliez donc pas le j'aime et le commentaire. On se voit très bientôt pour la suite et on s'approche de la fin de notre aventure. Je vous fais d'énormes bisous, à bientôt tout le monde. Portez-vous bien, bye bye.